Yo les gens, ici Rafik Gaming, on se retrouve pour le 9e épisode sur FA23 Mode My Team. Donc c'est parti, nouvelle séance de qualification aujourd'hui. Donc on va faire les séances de qualification du Grand Prix des États-Unis à Miami. Oui, c'est Miami, excusez-moi, c'est pas encore Las Vegas ou Austin. Donc c'est Miami, donc on va faire sous la pluie. Donc on va partir tout de suite pour les séances de qualification. En espérant que ça se passe bien, parce que moi, comme je vous avais dit, sous la pluie, je suis pas trop à l'aise. Donc on va essayer de faire de mieux. J'aimerais bien choper la première place pour être bien, mais bon, on va essayer. Hein. Donc là, en plus, c'est pluie, tombeau battant. Je sais pas si ça se dit comme ça, tombeau battant, je crois. C'était quoi ce bug qu'on a vu là? Il n'y avait pas de structure sur les pneus. Je sais pas si vous avez vu le bug. Donc on va faire départ lancé, prendre la piste. Oui, on s'en fout. C'est parti. C'est de faire la meilleure place possible pour cette première séance de qualification. Bah, c'est pour cette séance de qualification. Wow, en plus, il pleut bien. En plus, on est en pneu plus pluie. Hein. Full pluie. Hein. Full white. Je pense que ça se passe bien. Ça va me laisser passer, c'est cool. Merci. Par contre, ce qui va être chaud, c'est qu'on va presque pas voir les lignes sur la route du coup. Moi, c'est bon, on les voit quand même, ça va. On les voit quand même, ça c'est cool. Bah, après, ce qui est bien aussi, c'est quand il pleut. L'IA tourne pas vraiment. Bah, en fait, je trouve que l'IA elle est moins bonne sur la pluie que sur la route. Bon, voilà, on va essayer de se qualifier au mieux. On va faire deux tours. Bah, par contre, ça tente pas. Je vais faire la meilleure tour possible, quand même. Après, ça va, on se rattrapera sur le sec, sinon. Pas sur le sec, façon de parler, quoi. Parce que sur la course, ce sera du sec. On aura peut-être plus de grip, on va dire. Donc là, franchement, plus le temps passe, plus... en fait, j'attends avec impatience, je suis en train de parler, en même temps, de Starfield. Parce que Starfield, franchement, c'est un jeu que j'attends. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de vous présenter sur la scène. Donc moi, de toute façon, comme je vous avais dit, dans la vidéo précédente, dans une vidéo que j'ai faite précédemment, je vous proposerai le jeu malheureusement que le 2 septembre. Parce que le 2 septembre, le jeu sort le premier. Et le problème c'est que moi le premier, je suis l'après-midi. Donc je vais pas pouvoir vous faire la présentation du jeu. Ou soit faut que je rentre. Alors faut pas que ce soit un. Alors j'espère, hein, parce que moi je croise les doigts. Tout dépend à quelle heure je finis. Parce que vous savez que moi où je travaille, des fois on nous demande de finir le 21. Le 21. Le vendredi à 21h. Donc là, en fait, nos horaires normales, c'est lundi ou jeudi, 13h, 20h, 21h, et le vendredi, c'est 13h, 21h. Mais là, en fait, si la saison, on prend du retard, bah forcément, vous nous demandez de travailler une heure de plus le vendredi, donc en heure supplémentaire. Et après, souvent, quand on est du matin, ils vont nous demander de travailler le samedi matin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah, j'ai le premier tour du coup. J'ai le meilleur tour. Une 47. Ah, j'attaque trop, c'est un peu normal. Hein, mais faut bien que je roule quand même. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ouh, j'ai touché Norris, mais ça n'a rien fait. Son gravité. Là, je préfère vous... Là, on est lundi matin, je préfère vous capturer le Grand Prix pour ce week-end. Parce qu'en fait, je travaille de l'après-midi cette semaine et je préfère vous capturer le Grand Prix pour ce week-end, enfin, pour le week-end prochain qui va arriver là. Je préfère vous capturer d'avance, comme ça, moi, ça me laisse le temps de... Donc malheureusement, désolé pour la vidéo d'hier que vous avez publiée hier, on va dire dimanche. Désolé, hein, qu'elle soit pas en 4K, c'est quand j'ai fait mon montage vidéo, j'ai oublié de la mettre en 4K. Du coup, la vidéo, elle est en 1080p, donc... Je vais essayer de tuer ça pour les faire attention pour la prochaine vidéo. Mais bon, je voulais pas, j'avais trop la flemme de refaire le montage vidéo parce que le montage vidéo me prend un certain temps quand même. Ça m'a pris peut-être une heure pour la vidéo soit traitée parce que c'est quand même une vidéo qui dure 45 minutes. Donc ça se fait pas en 5 minutes, on va dire. Donc c'est déjà beaucoup plus rapide qu'avant. Donc avec mon ancien config, ça me prenait presque 2-3 heures. Maintenant, ça va beaucoup plus vite.
Putain, la froid, comment ça freine pas sous la pluie? C'est hallucinant comment ça freine pas. On va rentrer au stand là, ça va continuer, je pense qu'on a le meilleur temps. Wouah, bon ça freine pas, bon ça freine pas, c'est pas grave, tant pis, hop. Donc on va retourner au garage, on va avancer le temps, voir quelle place que je vais avoir du coup. Si je vais garder ma première place ou pas. Alors info session. Donc là on a une seconde 3 d'avance sur Verstappen. Donc on va avancer le temps en espérant garder ma première place. J'espère. Normalement, ça devrait être bon, normalement. On va voir. Ah, faut que j'améliore aussi le podium passe. Ouais, demain, je suis arrivé. Ouais, ça va. 958 centièmes, donc ça va. C'est bien. Et Max Verstappen. C'est cool. Et voilà c'est qui cool. Met fin aux qualifications. Mais nos nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis prochain point de prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si vous me baillez, portez bien. Peace.